Donc, comment récupérer son ex? Donc là, ma réponse va peut-être vous surprendre, mais en fait, la meilleure méthode pour récupérer votre ex, c'est simplement de ne pas le ou la récupérer. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que, évidemment, tout est possible et vous pouvez vous remettre avec votre ex. La chose qui se passe, c'est qu'une fois que vous avez créé une grosse brèche dans votre couple, parce qu'une rupture, il s'agit quand même de quelque chose de fort, et bah vous avez ouvert en fait une boucle, et cette boucle-là va pouvoir se répéter encore et encore, parce que vous avez la possibilité maintenant de ne plus être avec la personne, et que cette personne peut revenir. Donc vous savez dans votre inconscient que cela est possible, et cela est un modèle qui marche. Et ce, dans les deux cas, pour cette personne et pour vous-même. Et donc c'est quelque chose qui peut en fait rapidement être assez malsain, parce que vous pouvez continuer la relation et à tout moment, vous savez au fond de vous-même que comme c'est un modèle qui a déjà existé, la personne peut simplement partir et revenir après. Et vous allez être dans un état où vous allez plus vous poser des questions, peut-être même paniquer un peu. Et vous vous dites aussi que normalement, dans une relation, tout doit se faire naturellement, facilement, même si, évidemment, il y a toujours des accrochages. Mais le fait d'en avoir été arrivé là, et on se rend compte que statistiquement, lorsqu'une personne se remet avec son ex, au bout du compte, la relation finit par se terminer. Donc, si vous voulez vraiment quelque chose de sain, de périn, tout ça, le mieux est simplement de ne pas se remettre avec son ex et de trouver une personne, cette fois-ci, qui vous correspond vraiment. Une personne avec qui vous aurez encore plus de compatibilité et de connexion. Et là, vous pouvez vous dire, oui, mais cette personne était parfaite pour moi, je ne retrouverai jamais une personne comme ça. Et bah, je peux vous dire que si, au final. C'est juste que vous avez une peur inconsciente de ne... Et si vous en êtes arrivé là avec votre ex, c'est qu'il y a eu des raisons, c'est qu'il y a eu des absences de compatibilité, quelles qu'elles soient. Donc, prenez votre temps, ne paniquez pas, n'ayez pas peur, continuez d'avancer et je vous garantis que vous allez vraiment trouver une personne qui vous correspond. Et après, très vite, vous allez en fait tout simplement oublier, si ce n'est complètement, la personne avec qui vous avez été avant, parce que vous aurez une connexion encore plus forte et de meilleurs moments à partager ensemble.